Hey yo donc j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour une nouvelle vidéo maillot dans mon appartement. Et oui, première vidéo maillot dans mon nouvel appartement que j'ai depuis quelques mois maintenant. Mais j'ai pas fait de vidéo maillot parce que je les ai repoussées. Mais on est parti là, on va rebalancer un petit peu des vidéos maillot. J'en ai quelques-uns maillots à vous présenter. Aujourd'hui c'est trois maillots espagnol à vous montrer, et même un peu plus précis que ça, on peut dire que c'est des maillots madrilènes. Vous en avez un sous les yeux. Bon, on le sait, cette année je fais une carrière avec l'Atlético notamment, donc je me suis fait plaisir en prenant ce maillot de l'Atlético. Je crois que c'est le extérieur si je ne me trompe pas, donc qui est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Encore une fois, je remercie mon partenaire maillot depuis ces nombreuses années à GoFoot. Il y a le lien en description, il y a des promos très souvent sur le site, donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir. C'est bientôt Noël, donc voilà, n'hésitez pas. Font des promos pour Halloween, ils vont en faire pour le Black Friday bientôt. Donc voilà, je vous invite à checker un petit peu régulièrement à GoFoot parce qu'il y a de très très belles promos et de super maillots, donc n'hésitez pas. Voilà, donc on a un maillot sous les yeux qui est bleu foncé et noir, on va dire ça comme ça, avec un logo que je trouve très très beau. C'est un bleu un peu plus pastel clair, qui est très très cool. On a bien sûr un truc que j'aime beaucoup, c'est des manches stretch, hein, voilà, qui sont très très sympas, et on retrouve le bleu du logo, ce qui rend plutôt bien. Ce maillot là est agrémenté d'un short que j'ai sur l'épaule, que je suis en train de vous descendre. Voilà, donc vous pouvez prendre bien sûr les maillots avec des shorts. Voilà, chaque maillot a son short. Là, c'est un petit short avec le numéro 7. Ça spoil un petit peu le flocage. Donc déjà ça, hop, on l'enlève. Donc voilà, wallfin.com. Je ne sais absolument pas de quoi c'est comme, enfin ce que c'est comme site. Mais bon, écoutez, ils ont un site, hein, c'est bien. On a Joao Félix dans le dos. Bon, on aurait peut-être préféré Correa au final, au vu de ce qui s'y passe dans la carrière. Mais ben, ça passe très bien. Enfin, vous voyez que c'est super clean. Il n'y a rien à dire, le maillot est nickel. Et ça régale, voilà, ça régale. Le petit maillot de l'Atlético extérieur qui vient commencer cette vidéo. Le deuxième maillot, c'est le maillot de l'Atlético. Et oui, on continue, je vous l'ai dit, sur les maillots de l'Atlético. Forcément, je me suis procuré les maillots de la nouvelle année, vu que je fais une carrière avec, je trouve ça d'autant plus sympa. Donc voilà, bon, les logos... enfin, les rayures du logo, enfin du maillot cette année ne sont pas comme celui du logo, c'est-à-dire tout droit. C'est voilà, ils essaient de varier chaque année. Et là, cette année, on a le droit à des petites courbes qui ondulent. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Ça, c'est assez réussi. C'est pas le pire, honnêtement. Je pense que je préfère quand même des courbes, enfin des lignes droites, des droites. Mais bon, ils essaient de varier saison après saison les motifs, parce que sinon, ça reste les mêmes maillots. Et en termes de merch, c'est pas bon, hein, on le sait. Bien sûr, ce maillot lui aussi est agrémenté d'un short. Le short est superbe, par contre. Hein. Vraiment, le short est magnifique. La couleur, ce bleu est incroyable. Vraiment, ce bleu est incroyable. Donc, ça rend le maillot beaucoup plus beau déjà, d'avoir un short aussi beau. Ça paraît con, mais quand on a l'équipement entier de short maillot au domicile de l'Atlético, ça a un autre flow que juste le maillot. Voilà, clairement. Donc franchement, ça régale. Et il est également floqué. Il est floqué. Jiménez, comme vous le voyez, donc le défenseur de l'Atlético numéro 2. Voilà, c'est un beau flocage, il n'y a rien à dire, ça passe très bien et il est très très cool. Allez, on se termine les gars avec le maillot du Real, vous l'avez compris. Bon, je n'allais pas faire trois maillots de l'Atlético non plus. On est parti sur un maillot du Real qui est bon, original. Franchement, ils sont sortis un peu des sentiers battus, clairement. Bon, le Fly Emirates ne ressort pas énormément, je trouve. Ils auraient peut-être pu mettre un contour blanc autour, je ne sais pas. Ils ont décidé de le faire vraiment violet, parce que c'est du violet, et noir. Moi, je suis quand même... Je trouve sympa. Je trouve sympa. Quand il prend la lumière, ce maillot, il ressort beaucoup plus violet. Là, c'est un peu terne, la lumière chez moi. Mais quand il prend un peu la lumière et les spots dans la gueule, il ressort beaucoup plus, clairement. Maintenant, je trouve que ça reste quand même une couleur qui fait un peu pyjama. Voilà, c'est une couleur un peu pyjama. On le sait, ils sont très dans les tons pastels, le Real, depuis quelques années. Donc, bon, c'est pas choquant. Il est bien, sans être, selon moi, exceptionnel. Mais c'est les couleurs, évidemment. Le petit short qui va avec, floqué, évidemment, et avec le numéro 18. C'est qui le numéro 18? Est-ce que vous l'avez à la maison? Ben, le numéro 18, c'est un Français. C'est, bien sûr, Aurélien Tchouaméni, que j'ai floqué. Voilà, bon, je me suis dit pourquoi pas, il venait de signer au Real au moment où j'avais floqué le maillot. Donc voilà, Aurélien Tchouaméni, numéro 18 pour le Real. Ça vient conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des maillots, n'hésitez pas bien sûr à checker les liens. J'espère que ça vous a plu, il y aura d'autres vidéos maillots pour vous présenter des maillots que j'ai reçus qui sont très sympas. Donc voilà, soyez là dans les prochains jours. C'était des gros bisous, à très vite, tchuss.